quelqu'un ? La créature de la grotte mystérieuse. À travers une activité artistique est si important et tellement passionnant. Même moi, je n'aurais pas pu dire mieux, signora. Je suis d'accord à 100%. C'est pas vrai, Martin. Ne me dis pas que pour une fois, nous avons la même opinion sur un sujet. Un jeune artiste au tempérament sensible, ça lui fait tout craquer. Ah, non, regarde, non. Oh non, mon chef-d'œuvre est détruit. Bien sûr, Java Belle aussi. Oui, ça aussi, dans le genre, on peut dire que c'est très réussi. Leonardo de Javinci. Vous deux pas aimer? Oh non, mais que vois-je? C'est d'une puissance. Quelle fraîcheur incroyable, c'est un véritable chef-d'œuvre. Il sera à la place d'honneur lors de notre vente de bienfaisance de samedi prochain. Dites-moi que je rêve, ma parole, ils ont invité que des aveugles à leur vente ou quoi? Madame Locke n'a même pas daigné jeter un regard à mon travail. Martin, tu penses qu'on peut sérieusement considérer le truc de Java comme un chef-d'œuvre? Identifié. Diana Lombard, identifié. Java des cavernes, identifié. Salut les potes. Salut Billy. Cool ton style de fringue, Martin. Ah, waouh, c'est génial. C'est l'horrible sorcière de mer que t'as capturée la semaine dernière au large des côtes de Madagascar. En fait, c'est un autoportrait. À ta place, je le conserverai précieusement. Un jour, ça vaudra de l'or. Ouais, c'est ça, ouais, sur la planète Martin Mystère. Bienvenue, agents spéciaux. Oh, un homme des cavernes! Faites attention, Martin. La procédure est entrée dans une phase délicate. La moindre maladresse aurait des conséquences désastreuses. On va pouvoir l'appeler Java numéro 2. Java seul. Autre Java, y'a pas. Rassure-toi, il n'est pas néandertalien. En revanche, il pourrait bien être le premier extraterrestre à avoir visité la Terre. Martin, je vous ordonne de vous éloigner sur le champ de la zone d'analyse. Hein? D'accord, d'accord, il n'y a pas le feu au lac. Rien ne serait arrivé si tu ne m'avais pas poussé. Quoi? Mais je t'ai jamais poussé. Si, tu peux pas faire un peu plus attention? 6 ans d'âge mental. Silence, vous deux. Sinon, je vous fais récurer les toilettes de tout le centre à la brosse à dents. Bon, un fantôme fait des siennes en ville. Occupez-vous-en. Merci beaucoup, Martin. Maintenant, Mom va croire que je suis aussi maladroite que toi. Quoi, quoi, quoi? Mom ne te trouve pas maladroit. Martin, tout le monde. Non, écoute. Parce que t'es maladroit. Me file les jetons. Chut. Le fantôme essaie de nous dire quelque chose, je le sens. Ah ouais? Rentrez chez vous, c'est ça? Ah,
pourrait pas rencontrer une entité paranormale sympa pour une fois? Notre boulot consiste à pourchasser le mal à travers le monde, et le mal n'est pas sympa. Mais justement, pour ne pas passer à autre chose. Je sais pas, moi, pourchassons le bien. Diana! Ashley! Vous avez entendu? Entendu quoi? Ah oh là là, la chouchotte! C'était un fantôme! Un fantôme pour de vrai, je l'ai vu! Il n'y a aucun résidu ectoplasmique. Pourtant, qui dit fantôme dit bouillasse verdâtre. Il y a quelque chose qui cloche. Le voilà! Alors, je te l'avais bien dit que c'était un fantôme! Voilà la clé du mystère. Notre fantôme n'était qu'une image en trois dimensions. Une supercherie. Je m'en doutais, hein, figure-toi. Là, regarde! Un mini-projecteur holographique. Et là, un autre. Oh, pourquoi organiser une telle mascarade? Un plaisantin travaille peut-être dans ses bureaux. T'en penses quoi, Java? Java? J'espère pour toi que c'est pas à nouveau une de tes blagues débiles. Juré, j'y suis pour rien. Java? 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 Rien à cet étage, Martin. C'est totalement désert. Je n'ai trouvé aucune trace, pas le moindre indice. Des indices, il y en a certainement, à part qu'on ne les voit pas à l'œil nu. Thermoscan activé. Mode thermodétecteur. Attention, attention, notre indice microscopique est... là! Ressemble à un cil. Et de la poussière, le type ou la chose qui s'est emparé de Java est fait comme un rat. Oh, Java me manque. Quand je pense que tu t'es moqué de son tableau. Quoi? Moi? Mais t'as été 10 fois plus méchant. Ouais, mais il savait bien que je plaisantais. C'est comme ça entre potes, c'est un truc de mec, tu peux pas comprendre. Le problème, Martin, c'est que ce qui te fait rire ne fait souvent rire que toi. Voilà, voilà, j'ai placé le cil dans le modulaire d'ADN. On aura le résultat tout bientôt. Et tu as fait subir une datation au carbone 14 au grain de poussière? Oui, il a près de 4500 ans et a beaucoup voyagé car il provient de l'Inde, pas loin à l'ouest du Mohenjo-Daro. D'ailleurs, c'est à nous ce coin-là. Comment ça, à nous? Pourquoi? Ben, en fait, ce lieu appartient au centre, ce sont des catacombes. Mais jamais personne n'y pénètre parce qu'elles sont hantées. Ouais, la malédiction des catacombes. Dans une nécropole souterraine rôdent les habitants de la nuit en quête de leur prochaine victime. Quel film. Ce serait bien de te concentrer, Martin. Je te rappelle que Java a disparu. On n'est pas dans un de tes films d'horreur. Java adore ce film, c'est important pour l'enquête. Ah, le docteur Green. Quoi, tu connais ce bonhomme? C'était notre biologiste en chef, mais quand le centre a su qu'il faisait des expériences non autorisées, il a été viré. Je parierais que c'est lui qui nous a piégés pour kidnapper Java. Mais pourquoi vouloir faire une chose pareille? Pourquoi? On s'en contrefiche. Mais je vous garantis que s'il touche à un seul cheveu de Java, il aura affaire à moi. Alors, mon Billy, tu es prêt à aller sur le terrain? Tu veux dire partir en mission avec vous pour traquer le méchant? D'accord. Vraiment là que je viendrai pour mes vacances. Oh, c'est curieux, je croyais qu'il y avait un gardien. Ouais, et ben il a dû partir il y a une bonne dizaine d'années. Oh, cet endroit me donne la chair de poule. Moi aussi. Waouh, c'est beau. Génial, non? Non. Ces traces, ce sont les chaussures de rando que Java a eues pour Noël. On agit vite, d'accord? On entre, on sort. On entre? Je serais sûrement plus utile ici à monter la garde.
énervé, je le sens. Oh, regardons ça de plus près. Franchement, si j'étais à ta place, moi, j'y toucherais pas. Elle a l'air... Maudite. Dis-le, sinon je la touche et on sera tous damnés pour l'éternité. Oui, bon, ça va, maudite. Oui, elle a l'air maudite. T'es content? Non. Tu vois, pas de quoi en faire un plat. Je t'assure, Martin, il y a quelqu'un qui nous observe. Moi, je te dis, je le sens. Mais je rêve. Tu t'attends à quoi? On est dans des catacombes hantées. Mais oui, bien sûr. Les idoles précieuses attirent les intrus dans les galeries et les y enferment pour que le peuple de la nuit puisse les attaquer. Comme dans mon film fétiche. Du centre et trouve tout ce que tu peux sur Java. À vos ordres, capitaine. Accès autorisé. Du bon boulot pour Java. Oh, regardez-le, comme il est mignon. Ce fichu docteur Green a dû le conditionner parce que notre Java ne ferait pas de mal à une mouche. Billy, essaie d'avoir le dossier de Green. Accès refusé. Essaie encore. Oh. Hé, les gars, venez voir ce que j'ai découvert. C'est une ancienne forme d'écriture. Oui, je dirais que c'est du sanskrit. Le texte dit que ces catacombes sacrées abritent la tombe de l'empereur Ashok. Et que... Oh, je n'arrive pas à traduire le reste. Chronoscan activé. Mode Légendex. Alors, empereur Ashok. D'après le Légendex, le tombeau de l'empereur Ashok est protégé par Nadu, l'esprit des ténèbres. Il ne m'inspire pas, ce Nadu. Oh. Accès autorisé. Venez, j'ai le dossier de Green. Hein? Oh, ce sont des séquences d'ADN qu'on voit sur le moniteur. Il les modifie. J'ai piraté les dossiers secrets de Green, et d'après eux, le docteur a modifié l'ADN néandertalien de Java pour lui faire atteindre un stade primitif puissance 10. On dirait qu'il est dans un état second. La malédiction. Oh, c'était plus fort que toi, hein. Il a fallu que tu touches à cette idole. Alors, économisez vos forces. Car je vous garantis que vous n'êtes pas prêts de sortir. Lorsque Java aura récupéré tout cet or pour moi, je vous laisserai ici pour apaiser la colère de Nadu. Vous êtes un type abject. Vous vous servez d'une innocente victime pour assouvir votre cupidité. Une innocente victime? Avant que je le modifie, Java n'était qu'un parasite primitif, à peine un humain.
Fais attention, Greeny. N'oublie pas que tu parles de notre meilleur pote. Plus maintenant, j'en ai bien peur, car il est devenu mon esclave. Java, ramasse cet or. Java, non, c'est un piège. Je vous en supplie, docteur Green. Il n'est pas de taille à affronter Nadu. Peu importe ce que vous avez fait à son ADN. Oh, attention, Java. Ce que j'ai vu? Alors, vous comprenez à présent. J'ai choisi un homme des cavernes parce que son ADN primitif est plus facile à manipuler. Sa force, ses sens, ses réflexes aiguisés sont démultipliés. Rien ne peut arrêter le nouveau Java! Juste ce qu'il me faut pour disperser le laser. Java, est-ce que tu te sens bien? Java a mal tête. Plaquage raté, Martin. Java, te revoilà. Bon, bah, on va pas traîner, hein. On a beau être de bons sprinteurs, on a toujours pas semé la bête. Quel plaisir de vous retrouver. Écartez-vous de notre chemin, nous voulons sortir. Hors de question. Tandis que vous servirez de festin à la Minadou, je vais retourner là-bas récupérer mon or. Non, mais ça va pas la tête. La légende, oui, Nadu, l'esprit des ténèbres. J'y suis. Il ne supporte pas la lumière du jour. Il ne peut survivre que dans l'obscurité des catacombes. On n'est même pas fichu de trouver la sortie. Comment tu veux qu'on la tire au dehors? Si tu ne vas pas à la lumière ira à toi. Hein, Java? Java en forme. Java pas aimé, méchant docteur. Docteur Green, beau travail, agents spéciaux. Billy, comment êtes-vous arrivé ici? Ben,
C'est-à-dire que... Nous verrons cela plus tard. Une fois au centre, la première chose que nous ferons sera de détruire tous les dossiers du Dr Green afin que personne ne puisse plus jamais s'en prendre à Java. D'après l'analyse du bioscan, le coup du laser de Martha a complètement réparé l'ADN de Java et rien ne pourra plus jamais le modifier. Ça, c'est la super bonne nouvelle, parce que nous, on t'aime comme tu es, mon grand. Ah non, mais cette année, c'est quand même très très autre chose. Regardez, il y a des œuvres. Pardonne-nous d'avoir été blessants, Java. Tu sais, je trouve que tu as su capter l'essence de la créativité picturale dans ce tableau. Ouais, et comme toi, tes dessins sont très rigolos et nature. Oh, il y a une ménagerie pour les enfants. Java a fait surprise. Mais ce sont nos toiles. Oh, t'as obtenu de Madame Locke qu'elle expose aussi nos tableaux. T'es trop cool comme copain. Ça fait chaud, Kat. Et maintenant, nous allons décerner le prix du meilleur artiste à Coquin Pebbleton. Non, ne me dites pas qu'elle croit que Coquin a peint ses toiles. Hein? Martin, ce n'est pas une ménagerie pour les gamins, mais une expo d'animaux artistes. Peinture jolie. Eh ben, au moins, ce sont nos toiles qui ont eu le premier prix. Hein? C'est bon ça, hein?